is anyone finer in the state of Carolina? If there is, then you know her. Sure to me, Dinah. With those Dixie eyes blazing, how I long to sit and gaze him to the eyes of Dinah. Le terme de Genpei est issu d'une contraction des noms des clans qui s'opposent. D'un côté, les Minamoto, ou Genji, en suivant la prononciation chinoise Onyomi, ils sont dirigés par Minamoto no Yoritomo. De l'autre, les Taira, ou Eike, qui sont dirigés par Taira no Kiyomori. Ces derniers exercent leur pouvoir considéré comme abusif sur l'Empire. Il existe une opposition géographique entre les deux, les Minamoto étant situés dans l'aire orientale de Honshu, l'île principale, tandis que les Taira sont dans l'ère occidentale. À l'époque, le pouvoir suprême de l'archipel est détenu par l'empereur. La gestion des territoires est confiée à une aristocratie dépendant de la cour de celui-ci. Les Minamoto et Taira sont des congrégations vassaliques qui exercent un pouvoir parallèle à celui de l'empereur et ses gouverneurs locaux. Ces derniers excèdent les paysans par leur système les mettant à genoux, et ce depuis le début du millénaire. Au même moment se créent les Bushidan, des groupements guerriers de samouraïs situés dans les contrées les plus éloignées d'Eian. Ces groupements contrôlent les propriétés foncières et reposent donc sur un nouvel ordre social. Cette classe, bien que créée par des nobles éloignés de la cour de Eian, ou Kyoto, la capitale, est largement menée par les paysans les plus aisés, troquant la houe contre le sabre, la rizière contre le champ de bataille. Il existe alors des tensions à la cour de Eian. Les Taira, guerriers de l'Ouest, s'emparent progressivement du pouvoir depuis 1170 environ et sont mal vus de l'aristocratie, car considérés comme des paysans et des guerriers qui n'ont aucun droit aux postes impériaux qu'ils réquisitionnent. Un coup d'état a même été tenté en 1177 contre eux. Les samouraïs sont une caste guerrière qui maîtrise le combat à l'épée, le tir à l'arc et le combat à cheval. Réunis en clans, ils étaient une caste réputée et respectée. Ces soldats d'élite avaient un code d'honneur propre, la défaite entraînant souvent le suicide du samouraï via le rituel traditionnel du seppuku, pratiqué à l'aide d'une courte lame pénétrant l'abdomen, afin de laver le déshonneur du samouraï. Sa préparation est longue et n'est pas uniquement guerrière. La spiritualité et la sagesse sont au centre de leur art pour leur permettre de faire face à la bataille. Le Dō est le nom de l'armure du samouraï. Elle est composée de petites plaques lamellaires à base de bois, de cuir ou de métal pour la plaque ventrale. Elle évolue au fil des années, étant facilement modifiable et réparable. Son armement est multiple. L'arc est son arme traditionnelle, le katana, une épée courbée à un seul tranchant, et le naginata, une sorte de lance. Apparaissent plus tard les hachigaru, des conscrits paysans ou artisans. L'entraînement des moines guerriers se rapproche également de l'entraînement des samouraïs. Le prince impérial Moshihito appelle les clans affiliés aux Minamoto à se révolter contre le système des guerriers de l'Ouest en 1180, ce qui leur donne un prétexte parfait pour attaquer. Le prince Moshihito est assassiné par les Taira, ce qui a comme conséquence l'insurrection de certains monastères ainsi que des Minamoto, prêts à prendre leur revanche. Le conflit débute alors lorsque le castel du prévôt de la province d'Izu, représentant des Taira, est brûlé par un vassal sous les ordres de Minamoto no Yoritomo. Le début de la guerre de Genpei va à l'avantage des Taira qui remportent la première victoire au mont Ishibashi. Yoritomo s'échappe de justesse. Il se rend jusqu'à l'est de l'actuelle baie de Tokyo et réunit environ 27 000 hommes. Des soulèvements guerriers ont lieu partout. Les Taira se dirigent vers Izu, où attendent vassaux des Minamoto et du clan Takeda. Les Taira doivent faire face à une forte désertion. Dans la nuit, leurs troupes confondent un envol de poules avec des soldats et s'enfuient. Yoritomo, sur le conseil de ses vassaux, ne poursuit pas les fuyards et consolide son emprise sur le Kanto et les guerriers qui y résident. Pendant deux ans, après l'automne 1180, les deux ennemis ne s'affrontent pas et les Taira se contentent d'écraser les moines rebelles, mécontents des décisions du pouvoir. Le chef des Taira, Kiyomori, meurt au début de 1181 et n'est pas remplacé. Les Minamoto prennent plus d'importance et les pirates ravagent la côte tenue par les Taira. En 1183, les Taira attaquent alors Yoshinaka, allié des Minamoto, mais sont défaits à la bataille de Kurikara. Yoshinaka traverse alors Kyoto, puis les poursuit, mais il est défait à son tour. Son fer de lance est brisé, et il doit retourner à Kyoto. Goshirakawa, l'empereur retiré, fait alors appel à Yoritomo qui envoie ses généraux pour débarrasser la ville des Sudars et s'occuper de Yoshinaka, qui ne suit pas les ordres et installe le chaos dans la capitale. Yoshinaka se suicide donc début 1184 pour ne pas avoir à gérer les conséquences de ses actes. Yoshitsune, meilleur des généraux Minamoto, décide donc de frapper l'ennemi au cœur de son territoire. Ichinotani est situé sur les côtes de la mer intérieure, au sein d'une province Taira.
c'est une bande côtière. C'est là que s'étaient réfugiés les guerriers de l'Ouest, après que Yoshinaka les ait délogés de Kyoto, une année auparavant. La forteresse était renforcée d'un petit fort situé au nord-ouest, Mikuzuyama, tandis que le bois d'Ikuta se trouvait à l'est, et hébergeait un hôtel shintoïste. La partie nord du fort était protégée par les reliefs, en conséquence pour attaquer ce fort, il était nécessaire de passer par les bois, ou par l'ouest. On suppose que les forces Taira étaient composées d'environ 3000 hommes, pour près de 5000 hommes chez les Minamoto. C'est dans la nuit du 18 mars qu'a lieu une escarmouche entre les forces de Yoshitsune et un corps de troupes Taira, qui se solde par une victoire. Yoshitsune décide donc de diviser son armée en deux groupes, le premier dirigé par lui-même, progressant par l'ouest en direction du fort de Mikuzuyama. Une autre force est sous le commandement de Noriyori, qui avance par l'est à travers les bois d'Iguta et attaque les Taira à ce niveau. Pendant ce temps, le 19 mars, Yoshitsune, après avoir pris le fort de Mikuzuyama, divise de nouveau son armée en deux parties, une plus importante, envoyée à l'ouest du fort principal, Ichinotani, et une autre composée d'une centaine de cavaliers, commandés par lui-même, et qui escalade les reliefs entourant la forteresse. Le lendemain, le 20 mars, les forces de Noriyori attaquent le fort de l'ouest par le bas. Les Taira pensaient que toutes les forces de Yoshitsune étaient divisées en seulement deux groupes, un au pied du petit fort, l'autre au pied du fort principal. Ne s'attendant pas à un assaut par les reliefs, ils furent surpris en pleine défense des deux autres fronts et donc mis en déroute. Certains survivants rejoignirent leur bateau pour rejoindre l'île de Shikoku. Cette bataille va permettre au clan de pousser ses ennemis plus loin dans le Japon et de lui donner le coup de grâce à la bataille de Dannohura pendant le printemps 1185. À cette bataille, toute la flotte Taira est détruite, les principaux chefs du clan sont tués ou se suicident, ainsi que les descendants de la famille impériale, enlevés par les Taira des années auparavant. Les Minamoto installent donc un nouveau régime, le Bakufu, ou gouvernement sous la tente. Les samouraïs prennent le pouvoir en mettant à leur tête un shogun, chef militaire et politique. C'est la fin de l'ère Heian et le début de la période Kamakura, nom de la ville où s'installe le shogun, Minamoto no Yoritomo. On peut lire dans le Heike Monogatari, un récit poétique racontant les affrontements des deux clans, la citation suivante. Lorsqu'il avait tenu le ciel et les quatre mers dans les creux de sa main, il avait prodigué la mort et l'exil selon son bon plaisir. Il avait agi sans craindre le monde ni les hommes. Les fautes des ancêtres retombent sur les descendants, valeur qui se vérifiait sans laisser place au doute.